des garde-fous. Considérant que ce travail citoyen, démonstration citoyenne, a apporté un éclairage plus révélateur d'aspects laissés dans l'ombre dans l'étude patentée du promoteur. Le trafic, OK? OK, ben alors on compte sur vous. Vous continuez, vous suivez le convoi comme il faut. Et ensuite, on va renforcer ce matin. Ben bon, peut-être. Des accidents, monsieur, là, fait que... Mais surveillez, on va collaborer, mais n'oubliez pas une chose. Oui. Là, on est des citoyens du bout, OK? Oui, on vient pas de Québec, là. On est du bout. Oui, et là, on manifeste parce qu'on aura le bol. Oui, monsieur. Donc, ça, faut qu'on... Oui. Donc, faut oui. Déranger. On dérange. Mais nous, on a une circulation et on a votre sécurité. Oui. Ça, parfait. Vous le faites bien. Continuez comme ça. Mais nous autres, notre job, là, c'est de manifester. Oui. Mais il y en a bien ce que vous dites. Vous parlez de leurs contraintes. Mais les nôtres, est-ce que vous les connaissez? Oui. Parfait. Dans l'érable. Vous travaillez dans l'érable? Oui. Regardez, ce que je veux que vous compreniez, monsieur. C'est vrai. Mais ça veut-tu dire que la meilleure affaire, c'est de bloquer la route complètement? Non. Parce que là, il n'y a pas de danger. OK, mais de temps en temps, là, vous reviendrez. OK. Mais c'est lui qui les a tenus pendant à peu près 5 minutes. On fait le gars pour nous autres. Regarde-moi ça, le trafic. C'est une des forteresses et vous dressez des gardes-fous. Comment ça se déroule? Ça se passe bien. C'est au ralenti un peu. Là, on suit pour être à Victo, là, pas trop tard. C'est d'arrêter la cadence le plus vite possible. Puis moi, je vais aller ralentir la cadence à l'avant. Oh mon gros, qu'est-ce que tu viens faire là? Allez, on colle, on colle. Ah, il est trop loin. Serait-il sage d'exiger que jamais un décret gouvernemental ne vienne permettre ce projet de destruction massive? Serait-il juste d'exiger que le gouvernement du Québec favorise les discussions en cours entre le RDDA et l'appareil technocratique dans le cadre d'une recherche de modalités pour insérer la consultation citoyenne dans le processus et non avaliser une médiation inappropriée telle que proposée par les dirigeants de la MRC fédérale. En cas de décret, serait-il avisé de contre-décréter pour prendre en main la destinée du territoire et à cet effet publier une charte citoyenne décrivant les obligations pour conserver à ce territoire des qualités capables d'assurer aux gens qui y vivent la quiétude en interdisant toute manœuvre de modification extrême. Mais Normando, hier, elle a répété devant la caméra
que jamais ils vont faire avaler ça au monde qui en veulent pas. Puis elle a dit que ce serait mieux dans le grand. La portion du territoire de l'érable est en colère! Oui! On est choqués contre ce gouvernement, on est choqués contre ce projet éolien dont on veut pas. Monsieur Jean Charest, le 6 mai 2008, quand les projets de deuxième appel d'offres ont été acceptés, Monsieur Charest a dit ceci. L'acceptabilité sociale des projets constitue un ingrédient essentiel. Mais trouvez-vous qu'ici, dans l'érable, il y a de l'acceptabilité? Non! Il n'y a pas d'acceptabilité, il n'y a pas de consensus non plus. Non! Dans le cas du projet éolien de l'érable, nous on dit au gouvernement de faire confiance au BAP. Le BAP a dit, c'est un projet qui suscite la controverse. Le BAP a dit, c'est une modification majeure du milieu sonore et du milieu visuel. Le BAP a dit, textuellement, le territoire est habité de façon extensive, ce qui ne permet pas d'éloigner suffisamment les éoliennes des habitations et des routes. Le BAP a dit, la population n'a pas été associée à ce projet-là. Un référendum constitue une option à considérer. Nos élus, ils nous ont pas consultés avant le projet, ni pendant son élaboration, ils veulent pas plus nous consulter maintenant. Nos élus sont à la solde du promoteur. Nous, ce qu'on veut, c'est être consultés. D'ailleurs, notre sondage a révélé que 44 % des citoyens sont contre ce projet-là. 41 % sont pour. Est-ce que c'est ça, l'acceptabilité sociale? On demande à Mme Normandeau de respecter son engagement. Elle nous a dit, on vous enfoncera pas ça dans la gorge, ces projets-là, si vous en voulez pas. Ici God Economy. Comme un ordinateur Radio Shack. Et il ne lui reste plus qu'à se battre seul. Ici God Economy. Comme un ordinateur Radio Shack. Et il ne lui reste plus qu'à se battre. Ici God Economy. Comme un ordinateur Radio Shack. Et il ne lui reste là. Ici God Economy. Comme un ordinateur Radio Shack. Alors, M. Charest, on n'en veut pas! Le message du RDDA, il est très simple. Pas d'éoliennes en milieu habité. C'est-tu assez clair? Oui! Alors, pas d'éoliennes en milieu habité. Nous, les citoyens de l'érable, on réclame le droit de vivre dans des conditions décentes. On réclame le droit de vivre dans des conditions respectables. Tout ce qu'on entend, c'est de l'argent, de l'argent et de l'argent. Chaque valise qui nous a été ouverte depuis le début du projet éolien, une valise de 8 000 $ si on acceptait de prendre une éolienne. On a dit non. Une valise de 1 000 $ pour acheter les gens, pour promouvoir, bonifier le projet. On a encore dit non. On défend quelque chose à l'heure actuelle au Québec au niveau de l'éthique, le côté moral et éthique du développement de tous ces projets économiques-là. C'est la couleur de l'RDDA, c'est notre force et c'est notre... On a mis des mots là-dessus et il n'y a rien qui va nous arrêter. Rien. Bravo! Madame a dit hier soir à la télévision que des projets en milieu habité ne se feront plus. Ce sera dans le Grand Nord, plus haut que le 49e parallèle. Et on a bien compris, Madame Normandeau. Et on vous dit aujourd'hui que l'on ne veut pas être le dernier projet éolien à être accepté en milieu habité avant de commencer vos bonnes résolutions. Et l'heure exacte de la libération ne nous appartient pas, mais elle viendra! Alors, je veux d'abord aussi, en tant que président, saluer le courage d'André Savard, qui, de sa façon, à sa façon, lutte avec nous à l'intérieur. On ne peut pas tous être là pour la supporter, mais elle fait un travail extraordinaire et elle est des nôtres et elle est toujours présente.
Bravo André. Non, je t'ai pas dit, c'est Denis. Moi, j'avais Rien écrit. En tout cas, c'est ton dossier, la commission. Okay, oh, ce qu'elle disait, je ne peux pas me prononcer de façon hypothétique, mais si j'ai au moins un producteur qui dit que je suis... Ici God Economy. Comme un ordinateur Radio Shack. Et il ne lui reste plus qu'à se battre seul. Nous sommes de la trempe d'hommes et de femmes qui ne plient pas facilement les genoux. Nous sommes de la trempe d'hommes et de femmes qui se tiennent debout, inspirés par nos valeurs et par l'attachement à notre territoire. Oui! Nous sommes des hommes et des femmes de vision, des gens de paix et de contemplation. À force d'être abusés, ils sont en train de faire de nous des guerriers. Ouais! Nous en avons ras-le-bol de ces mensonges, de ce mépris, de cette hypocrisie de nos élus. Ouais! Nous l'avons dit au BAP clairement qu'on n'en voulait pas de ce projet, comme jamais ça l'a été fait au Québec. Nous avons dit à plusieurs reprises aux élus, face à face, qu'on n'en voulait pas de ce projet. Nous avons été porter le message à Québec pour dire aux ministres qu'on n'en voulait pas de ce projet. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour le redire à nouveau à ceux qui n'ont pas encore compris. C'est un désastre social. Oui! Un désastre paysager. Oui! Un désastre économique. Oui! Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, le projet de l'érable doit être abandonné. Oui! Sachez que nous avons tracé la ligne de l'inacceptabilité sociale. Soyez-en avertis. La ligne est tracée pour y rester. Nous, qui habitons le territoire, nous n'avons pas protégé le territoire agricole pendant de si longues années pour le céder à des multinationales, à des prédateurs du vent. Je vous invite symboliquement à tracer une ligne avec votre talon. Et vous, les élus, qui avait trahi vos citoyens, venez la franchir maintenant. On n'en veut pas. Dans l'érable, ça ne passera pas.